J'ai des négros sur les côtes, sans passer par mes potes. Pourtant j'avais prévenu, mais on veut me faire payer la note. J't'explique, le rap game c'est un nid de serpent. Et le problème c'est qu'un peu de gagne, on met beaucoup de perdants. Quand tu commences, tes supporters sont du genre fervent. Mais un truc vient brouiller tout, évidemment c'est l'argent. À l'époque, j'avais les habits, les idées larges. Et mon plus gros projet, convertir les barges en braves. Et je partageais, que faire d'autre lorsque ça marche. Pour vivre heureux, vivons cachés, c'était pas trop la démarche. Bref, je jouis des privilèges, ma bonne image, une petite lettre, une peine qui s'allège, un frère en chien, je débloque un peu d'oseille. Tout ça en secret, je veux pas montrer que j'ai. Je suis guidé par le dîner, et c'est comme ça qu'a marché le siècle. Si tu montes, tu tires les autres, tous dans le même bateau. Tous on avait la dalle, on partage le gâteau normal. Dans l'autre cas, ton gars aurait fait la même. Chez nous, on est solidaire, enfin ça dépend du problème. Et ça dépend combien tu pèses en oseille. Plus grandit ton rêve, plus grandit la haine. Ça n'est qu'une question de temps avant que le revers ne revienne. Si tu gagnes la médaille d'or, c'est la médaille d'or des problèmes. C'est ça le rap game, les gros sujets tabous. Je compte pas sur un trou, moi je compte sur un marabout. J'avais rendu un service, mais les frères ont du vice. Ils utilisent ton service pour te faire des sévices. Voulaient me faire des services volés depuis Yannick Noah. Car les négros croient que tu dois être noyé dans le genre A. Ça laisse des coups de fil de plus en plus pesants. Du genre faut rappeler tout de suite, c'est tout le temps urgent. Tu sens que tes arbitres, quelque chose se prépare vite. Ça sent trop le slavique dans une embrouille t'invite. Prennent des prétextes bidons, te prennent pour un con. Des frères font les comptes, vise ton compte. Les traîtres m'avaient serré la main, le lendemain voulaient me lacérer. D'une lame acérée dans mon sang, voulaient me laisser macérer. Et les taux n'a fait que se resserrer. Jamais tu te dirais que des frères oseraient. Je te raconte la suite en direct du terre-terre. Ouais, en direct du traître, traître. C'était l'époque où ma femme était enceinte. Je venais de sortir mon album numéro 5. Un de ces genres de gars qui aurait pu être mon 5 a eu des vues sur moi et a impliqué les miens. S'est renseigné chez moi, je n'avais plus trop la cote. A vu que j'étais tout seul, que je n'avais plus trop de potes. A mis en place son plan, m'a demandé de l'argent. Tout en me menaçant, mais indirectement. Et moi dans le même temps, j'attendais mon enfant. Je préservais ma femme de peur qu'elle pète les plombs. Dos au mur, partagé entre balancer tout ou m'entourer d'un crew à qui je serais redevable. M'entourer de gros bras qui me maqueront plus tard. Je ne mérite pas ça, je suis dans une putain d'impasse. Ma fille vient de naître, je gère les coups de fil, on me fait un coup de tête. L'infirmière monte dans la chambre, me dit quelqu'un vous attend. Je me dis c'est pas possible, pas ici, pas maintenant. Alors que j'ai célébré la vie, en bas m'attend la mort. Alors je me menace de vivre, j'implore Dieu dans l'ascenseur. Il m'aide et je m'en sors, je trouve la force de dire stop. Et si je dois être honnête, voilà pourquoi j'arrête. Je ne céderai jamais, je crois trop bon Dieu pour craindre un homme. Je le savais qu'en bas ils me voyaient tous en haut. Je le savais qu'une fois en haut ils me verraient tous en bas. Pourtant je les regarde jamais de haut, je m'inspire toujours du bas. Le rap c'est 20 milieux sous la mer, donc je rappe avec un tuba. Je savais que ce serait la merde parce que ça l'a toujours été. Je savais qu'après le rêve viendrait la réalité. Je me rappelle quand c'était vas-y vas-y d'ici. Toi tu nous représentes maintenant c'est fort d'ici. Вот ты кожа мужик.